Dialogue numéro 1, à la rencontre de Simon. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Simon. Tu as quel âge, Simon? J'ai 8 ans. Tu habites où? J'habite à Bordeaux. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Et ta sœur s'appelle comment? Elle s'appelle Élodie. Élodie a quel âge? Elle a 14 ans. Ah, donc c'est une adolescente. Oui. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime Noël. Tu aimes l'hiver? Oui, et j'adore la neige. Il y a beaucoup de neige à Bordeaux? Non. Ça me rend triste. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas l'été. Bon, merci Simon. Je vais te laisser maintenant. Merci et à bientôt. Merci à toi et à bientôt. Salut! Dialogue numéro 10, les voyelles. Bonjour Mathieu, tu as une minute? Non, je lis un livre très intéressant. Ce n'est pas très gentil. Je sais, mais ce livre est captivant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Bah, ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non. Nous allons voir les voyelles ensemble. Oh, c'est trop facile. Ah, facile pour toi, mais très utile pour nos amis. D'accord. Tu es prêt? Une seconde. Je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt? Oui, on y va. A. E. I. O, U, Y. Et maintenant, combinons les voyelles avec I.
A plus I est. E plus I est. O plus I oua. U plus I oui. Et maintenant, combinons les voyelles avec U. A plus U O. E plus U E. O plus U OU. Et maintenant, combinons les voyelles avec N. A plus N en. E plus N en. I plus N 1. O plus N on. U plus N 1. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. À bientôt. Salut. Dialogue numéro 2, les chiffres. Bonjour, aujourd'hui nous allons compter. Émilie va nous aider, n'est-ce pas Émilie? Oui monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les chiffres. Et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 0. Z, E accent aigu, R, O. Très bien. Tu vois que c'est facile. 1 U N. Deux D E U X. 3. Bravo, tu connais bien les lettres. Merci. 3 T R O I S. Quatre Q U A T R E.
C'est parfait. 5. C I N Q. 6. S I X. Pourquoi tu as peur? Tout va bien. Oui, c'est vrai. 7. S E P T. 8. H U I T. 9. N E U F. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les chiffres. C'était facile. Merci encore et à bientôt. De rien. Salut. Dialogue 3. À la découverte du verbe être. Je vous présente Cécilia. Elle adore la conjugaison. Oui, c'est vrai. Tu veux conjuguer le verbe être au présent? Oui. Pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. Je suis. S U I S. Tu es. E. S. Il. Elle. Il est. Elle est. E. S. T. Nous. Nous sommes. S O M M E S. Vous êtes. E accent circonflexe T E S. Ils sont, elles sont. S, O, N, T. Félicitations, Cécilia. Tu es très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème.
Dialogue numéro 4. Une nouvelle rencontre au travail. Bonjour, vous êtes nouvelle ici? Oui, c'est mon premier jour. Je me présente, je m'appelle Laurent. Enchanté Laurent, moi, c'est Claire. Et tout se passe bien? Oui, je cherche juste la machine à café. Elle n'est pas très dure à trouver. Tant mieux. Vous devez d'abord prendre l'ascenseur. Et je vais à quel étage? Vous allez au troisième étage. C'est à côté de l'ascenseur? Pas vraiment. Mais c'est où alors? Quand vous sortez de l'ascenseur, vous tournez à droite. D'accord. Je tourne à droite et ensuite. Ensuite, vous continuez tout droit jusqu'à la salle de réunion 3B. Très bien, et c'est là? Oui, c'est juste sur votre gauche. Ah, parfait. Et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à venir me voir. Merci, mais je pense que ça va aller. Bon, eh bien, bonne journée et à bientôt. Merci encore et à bientôt. Dialogue numéro 5. Mathieu nous présente l'alphabet. Bonjour Mathieu, je te dérange? Non, je lis un livre très intéressant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Et ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non, je voudrais juste que tu lises l'alphabet pour nos amis. Ah bon, eh bien pas de problème. Tu peux commencer quand tu es prêt. D'accord? D'accord. Tu es prêt? Une seconde, je finis ma phrase.
Et maintenant, tu es prêt? On y va. A. B. C. D. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Dialogue numéro 6, les couleurs de Pierre le peintre. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très très bien, merci. Tu adores toujours la peinture? Oh oui, plus que jamais. Tu as une minute pour nos amis? Bien sûr. Pourrais-tu nous dire les couleurs que tu préfères? Bien entendu. La première, bleu. La deuxième, rouge. La troisième, vert. La quatrième, jaune. La cinquième, marron. La sixième, beige. La septième, rose. La huitième, violet. La neuvième, orange.
La dixième, gris. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Tu veux dire quelque chose? Oui. Je voudrais dire les deux couleurs que je préfère par-dessus tout sont le noir et le blanc. Dialogue numéro 7. Pompier, quel métier magnifique. Dis-moi, Maxence, quel métier feras-tu plus tard? Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai une petite idée. Est-ce que tu veux toujours être policier? Non, je n'aime pas les armes. Et pourquoi pas écrivain? Tu adores les livres? C'est vrai, mais je voudrais un métier plus excitant. Tu pourrais devenir pompier. Oh oui, ça c'est une bonne idée. Tu n'as pas peur du feu? Pas vraiment. Tu aimes faire du sport? Un pompier doit toujours être en forme. Oui, j'aime bien faire du sport. Est-ce que tu peux te réveiller facilement en pleine nuit? Pardon? Les pompiers doivent sauver les gens le jour et la nuit. Vous êtes sûr? Ah oui? Ça va être difficile. Pourquoi? Ma mère me dit toujours que je dors comme une marmotte. Ah, c'est vrai que ça peut être difficile. Oh, c'est dommage. Bon, eh bien, tu as encore le temps d'y réfléchir. C'est vrai. Et il y a tellement de belles professions. Je vais trouver un jour. Dialogue numéro 8, à la découverte du verbe avoir. Vous connaissez déjà Cécilia, elle adore la conjugaison. Oui, c'est vrai.
Tu veux conjuguer le verbe avoir au présent? Oui, pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. Je, j'ai, a, i. Tu a, s. Il, elle, il a, elle a. Nous avons A, V, O, N, S. Vous avez A, V, E, Z. Il, elle, ils ont, elles ont. O, N, T. Félicitations, Cécilia. Tu es vraiment très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Dialogue numéro 9, de 10 à 20. Bonjour, aujourd'hui nous allons compter. Émilie va nous aider, n'est-ce pas Émilie? Oui, monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les nombres de 10 à 20 et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 10. D, I, X. Très bien. Et tu vois que c'est facile. 11. O, N, Z, E. 12. D, O, U, Z, E. Bravo! Tu connais bien les nombres et les lettres. Merci. 13. T, R, E, I, Z, E. 14. Q, U, A, T, O, R, Z, E. C'est parfait. 15. Q, U, I, N, Z, E. 16. S, E, I, Z, E. Je trouve que tu es très forte. Merci, monsieur. 17. D, I,
X, trait d'union, S, E, P, T. 18, D, I, X, trait d'union, H, U, I, T. 19, D, I, X, trait d'union, N, E, U, F. 20, V, I, N, G, T. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les nombres de 10 à 20. C'était facile! Merci encore et à bientôt. De rien. Salut! Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 11. Le champion de maths. Bonjour Alex. Tu as une minute? Oui, bien sûr. Est-ce que tu voudrais aider nos amis à faire un petit exercice de calcul? Pas de problème, avec plaisir. On peut commencer? Allez, on y va. Plus 1 égale 2. D, E, U, X. 1 plus 2 égale 3. T, R, O, I, S. 1 plus 3 égale 4. Q, U, A, T, R, E. 1 plus 4 égale 5. C, I, N, Q. 1 plus 5 égale 6. S, I, X. 1 plus 6 égale 7. S, E, P, T. 1 plus 7 égale 8. H, U, I, T. 1 plus 8 égale 9. N, E, U, F. 1 plus 9 égale 10. D, I, X.
Bravo, Alex! On continue encore un peu? Oui, pourquoi pas? Un plus 10 égale 11. O, N, Z, E. 1 plus 11 égale 12. D, O, U, Z, E. 1 plus 12 égale 13. T, R, E, I, Z, E. 1 plus 13 égale 14. Q, U, A, T, O, R, Z, E. 1 plus 14 égale 15. Q, U, I, N, Z, E. 1 plus 15 égale 16. S, E, I, Z, E. 1 plus 16 égale 17. D, I, X, trait d'union, S, E, P, T. 1 plus 17 égale 18. D, I, X, trait d'union, H, U, I, T. 1 plus 18 égale 19. D, I, X, trait d'union, N, E, U, F. 1 plus 19 égale 20. V, I, N, G, T. Merci beaucoup, Alex, et à bientôt peut-être. Avec plaisir. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 12. À la découverte du verbe aller. Bonjour Cécilia. Tu aimes toujours la conjugaison? Oh oui. Tu veux conjuguer le verbe aller au présent? Oui, pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. Je vais, V, A, I, S. Tu,
Tu vas. V A S. Il, elle, il va, elle va. V, A. Nous allons. A, L, L, O, N, S. Vous, vous allez. A, L, L, E, Z. Ils, elles, ils vont, elles vont. V, O, N, T. Félicitations, Cécilia. Tu es vraiment très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 13, de 20 à 30. Bonjour, aujourd'hui nous allons compter. Émilie va nous aider, n'est-ce pas, Émilie? Oui, monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Mais non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les nombres de 20 à 30 et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 20. V, I, N, G, T. Très bien, tu vois que c'est facile. 21. V, I, N, G, T, trait d'union, E, T, trait d'union, U, N. 22. V, I, N, G, T, trait d'union, D, E, U, X. Bravo, tu connais bien les nombres et les lettres. Merci. 23. V, I, N, G, T, trait d'union,
T-R-O-I-S. Vingt-quatre. V-I-N-G-T. Trait d'union. Q-U-A-T-R-E. C'est parfait. 25. V-I-N-G-T. Trait d'union. C-I-N-Q. Vingt-six. V-I-N-G-T. Trait d'union S-I-X. Je trouve que tu es très forte. Merci, monsieur. 27. V-I-N-G-T. Trait d'union S-E-P-T. Vingt-huit. V-I-N-G-T. Trait d'union H-U-I-T. Vingt-neuf. V-I-N-G-T. Trait d'union N-E-U-F. Trente, T, R, E, N, T, E. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les nombres de 20 à 30. C'était facile. Merci encore et à bientôt. De rien. Salut! Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 14. Les formes géométriques. Bonjour Alex, est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce que tu voudrais présenter les formes géométriques? Pas de problème, avec plaisir. On peut commencer? Allez, on y va. La première, le rectangle. La deuxième, le triangle. La troisième, le carré. La quatrième, l'étoile. La cinquième, le cercle.
La sixième, le losange. La septième, le pentagone. La huitième, l'hexagone. Et la dernière, l'heptagone. Merci beaucoup, Alex, et à bientôt peut-être. Avec plaisir. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 15. Les syllabes avec la lettre B. Bonjour Mathieu. Je te dérange? Non, je lis un livre très intéressant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non. Je voudrais juste que tu lises des syllabes pour nos amis. Ah bon? Oui, eh bien, pas de problème. Tu peux commencer quand tu es prêt, d'accord? D'accord. Tu es prêt? Une seconde, je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt? Oui, on y va. N'oublie pas que ce sont les syllabes avec la lettre B. D'accord? Oui. On y va. Bas. B. B. Beau, bu, bi. C'est bon? Ben non. Nous allons voir maintenant avec la voyelle i. D'accord. Baie. Baie. Bois.
Buis. Et maintenant, c'est bon? Mathieu, tu n'es pas courageux aujourd'hui. Voyons maintenant avec la voyelle U. D'accord. Beau. Beu. Bou. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Bon, nous te laissons avec ton livre. Merci. Au revoir. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 16. À la découverte de 20 verbes. Bonjour Nicolas. Est-ce que c'est vrai que tu adores les verbes? Oh oui, c'est vrai. C'est ma passion. Et est-ce que tu voudrais nous présenter des verbes français? Oui. Quel genre de verbe? Ben, des verbes utiles pour nos amis qui apprennent le français avec nous. Je vais proposer les 20 verbes les plus utilisés. C'est une très bonne idée. Je suis sûr que nos amis seront contents. Bon, on commence? Numéro 1. Être. Numéro 2. Avoir. Numéro 3. Faire. Numéro 4. Dire. Numéro 5. Pouvoir. Numéro 6. Aller. Numéro 7. Voir. Numéro 8. Vouloir. Numéro 9. Venir. Numéro 10. Devoir. Ce sont des verbes très utiles. Oh, merci encore. Mais la liste continue. Nous avons 20 verbes.
Pardon. Numéro 11. Prendre. Numéro 12. Trouver. Numéro 13. Donner. Numéro 14. Parler. Numéro 15. Mettre. Numéro 16. Savoir. Numéro 17. Passé. Numéro 18. Regardez. Numéro 19. Aimer. Numéro 20. Croire. Quelle liste formidable! Est-ce que tu pourras continuer plus tard? Oui, mais pas tout de suite. Je dois rentrer à la maison. Merci Nicolas, et à bientôt. À bientôt! Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 17. Une maison formidable. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Très bien, je suis dans ma maison. Pardon? Tu habites dans cette petite maison? Oui, elle n'est pas aussi petite que ça. Comment ça? C'est une maison magique. Mais non, c'est juste une maison de poupée. Mais il faut me croire, cette maison est magique. Et il y a combien de pièces dans ta maison? Il y en a au moins 6. Pardon? Oui, et les pièces sont très grandes. Il y a quelle pièce alors dans ta maison? Une cuisine? Un salon, une salle de bain, une chambre, une salle à manger, une salle de jeu. Et tu habites tout seul? Ben oui, parce qu'il n'y a qu'une seule chambre.
Et c'est toi qui fais la cuisine? Oui, j'aime bien faire à manger. Est-ce que tu vas m'inviter un jour dans ta maison? Non, je suis désolée. Et pourquoi? C'est juste pour les enfants. Bon, eh bien, au revoir Arnaud et à bientôt. Au revoir et à bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 18. Les additions, la table de deux. Bonjour Alex. Bonjour. Je te dérange? Non. Tu fais tes devoirs? Non. Je viens juste de finir. Tu pourrais nous aider avec les additions? Oui, pas de problème. 2 plus 1 égale 3. TROIS. 2 plus 2 égale 4. QUATRE. 2 plus 3 égale 5. CINQ. 2 plus 4 égale 6. SIX. 2 plus 5 égale 7. SEPT. 2 plus 6 égale 8. HUIT. 2 plus 7 égale 9. NEUF. 2 plus 8 égale 10. DIX. 2 plus 9 égale 11. ONZE. 11. Bravo Alex! On continue encore un peu? Oui, pourquoi pas? 2 plus 10 égale 12. DOUZE. Deux plus 11 égale 13. TREIZE. Deux plus 12 égale 14. QUATORZE. Deux plus 13 égale 15. QUINZE. 2 plus 14 égale 16. SEIZE. 2 plus 15 égale 17. DIX, trait d'union, SEPT. 2 plus 16 égale 18. DIX, trait d'union, HUIT.
2 plus 17 égale 19. DIX, trait d'union, NEUF. 2 plus 18 égale 20. VINGT. 2 plus 19 égale 21. VINGT, trait d'union, ET, trait d'union, UN. 2 plus 20 égale 22. VINGT, trait d'union, DEUX. 'Merci beaucoup, Alex, et à bientôt peut-être. Pas de problème. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 19. J'adore les voyages. Bonjour Agnès. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les pays que je voudrais visiter. Tu aimes voyager? J'adore ça. Et tu préfères voyager comment? Je préfère le train. Et pourquoi? On a le temps de voir les paysages. Mais ce n'est pas très rapide. Ce n'est pas grave. Et pourquoi? Quand on est en vacances, on a le temps, non? Et dans quel pays voudrais-tu aller? J'aimerais bien visiter le pays du Père Noël. Il habite où? Vous ne le savez pas? Si, je sais, mais je veux que tu le dises. Oui, bien sûr. Et il habite en Finlande. Et tu voudrais partir là-bas? Oui. Tu aimes la neige? Oui. Tu aimes le froid? Oui. Eh bien, si tu veux y aller, bon voyage et à bientôt. Bonne idée. Je prépare ma valise et je pars. Tout de suite. Au revoir et à bientôt.
Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 20. À la découverte du verbe faire. Bonjour Cécilia. Bonjour. Tu voudrais conjuguer le verbe faire au présent? Avec plaisir. Attention, faire est difficile. Mais non, c'est facile. Je fais F-A-I-S. Tu fais F-A-I-S. Il, elle, il fait, elle fait. F-A-I-T. Nous faisons F-A-I-S-O-N-S. Vous, tu as un problème? Tu veux que je t'aide? Mais non, c'est trop facile. Je m'endors, c'est tout. Vous faites F-A-I-T-E-S. Ils, elles, ils font, elles font. F-O-N-T. Félicitations, Cécilia. Merci, monsieur. Un verbe plus difficile la prochaine fois. Pas de problème. Ma liste de verbes est longue. Tant mieux. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 21 de 30 à 40. Bonjour, et maintenant nous allons compter. Bonjour Émilie, comment ça va? Je vais bien, merci. Tu es encore stressé? Un peu. Mais non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Nous allons compter de 30 à 40. D'accord? D'accord. Allez, on commence avec 30. T-R-E-N-T-E.
T E. 31. T R E N T E. Trait d'union. E T. Trait d'union. U N. 32. T R E N T E. Trait d'union. D E U X. Bravo! Merci. Trente-trois. T R E N T E. Trait d'union. T R O I S. 34. T R E N T E. Trait d'union. Q U A T R E. Mais c'est parfait. 35. T R E N T E. Trait d'union. C I N Q. 36. T R E N T E. Trait d'union. S I X. C'est parfait. Merci, monsieur. 37. T R E N T E. Trait d'union. S E P T. 38. T R E N T E. Trait d'union. H U I T. 39. T R E N T E. Trait d'union. N E U F. 40. Q U A R A N T E. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les nombres de 30 à 40. Ce n'était pas difficile. Merci encore et à bientôt. De rien, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 22, les syllabes avec la lettre C. Bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Oui. Tu veux finir ta phrase? Si possible, oui. Je voudrais que tu lises des syllabes pour nos amis. Pas de problème. Tu peux commencer
quand tu es prêt. D'accord? D'accord. Tu es prêt? Une seconde. N'oublie pas que ce sont les syllabes avec la lettre C. D'accord? Oui? On y va. K. Se. Si. Co. Q. Si. C'est bon? Mais non. Nous allons voir maintenant avec la voyelle I. D'accord. Qu'est c'est quoi cuit. Et maintenant, c'est bon? Mathieu, tu n'es pas courageux aujourd'hui. Voyons maintenant avec la voyelle U. D'accord. Co. Ce. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Nous te laissons avec ton livre. Merci. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 23 à la découverte de 20 nouveaux verbes. Bonjour Nicolas, comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que tu voudrais nous présenter des verbes français? Oui. Quel genre de verbe? Mais nous pourrions continuer avec ta liste de verbes. D'accord. Nous allons voir 20 nouveaux verbes. Je suis sûr que nos amis seront contents. Bon, on commence? Numéro 21. Demander. Numéro 22. Rester. Numéro 23. Répondre.
Numéro 24. Entendre. Numéro 25. Penser. Numéro 26. Arriver. Numéro 27. Connaître. Numéro 28. Devenir. Numéro 29. Sentir. Numéro 30. Sembler. Ce sont des verbes très utiles. Nous continuons? Oui. Très bien. Numéro 31. Tenir. Numéro 32. Comprendre. Numéro 33. Rendre. Numéro 34. Attendre. Numéro 35. Sortir. Numéro 36. Vivre. Numéro 37. Entrée. Numéro 38. Reprendre. Numéro 39. Porter. Numéro 40. Chercher. Quelle liste formidable! Nous continuerons bientôt, d'accord? Merci Nicolas, et à bientôt! À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 24. Le cheval, c'est sympa. Bonjour Denis, comment ça va? Très bien, merci. Tu as des problèmes? Non, 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 tout va bien. Tu veux de l'aide? Mais non, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de jouer.
Mais il est un peu bizarre, ton jouet. Non, c'est juste un cheval. Il est un peu sauvage, non? C'est parce qu'il n'a pas mangé. Et normalement, ton cheval mange vers quelle heure? Vers midi. Et pourquoi il n'a pas mangé aujourd'hui? Il a dormi toute la matinée. Qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant? Je vais lui donner à manger. Il mange quoi? En général, il mange des bonbons. Pardon? Oui, il adore les bonbons. Pourquoi tu ne lui donnes pas des légumes? Ce n'est pas un vrai cheval. Ah donc j'avais raison. C'est un jouet. Non. C'est un cheval en bois. Ce n'est pas pareil. Allez, on va manger. Au revoir et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 25 à la découverte du verbe venir. Bonjour Cécilia. Bonjour. Est-ce que tu voudrais conjuguer le verbe venir au présent? Avec plaisir. Attention, c'est un verbe difficile. Mais non, c'est facile. Je viens. V I ENS. Tu viens. VIENS. Il vient. Elle vient. VIENT. Nous venons. VENOS.
Vous venez. V-E-N-E-Z. Ils viennent. Elles viennent. V-I-E-N-N-E-Z. Félicitations, Cécilia. Merci, monsieur. Mais c'est vraiment trop facile. Pas de problème. Le prochain verbe sera difficile. Tant mieux. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 26. J'adore les adjectifs. Bonjour. On m'a dit que vous adorez les adjectifs. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pourriez présenter les adjectifs à nos amis? Avec plaisir. Nous pouvons commencer? Oui, je suis prêt. Numéro 1. Grand. Numéro 2. Petit. Numéro 3. Jeune. Numéro 4. Vieux. Numéro 5. Bon. Numéro 6. Beau. Numéro 7. Les moches. Numéro 8. Premier. Numéro 9. Dernier. Numéro 10. Nouveau. Numéro 11. Ancien. Et vous pourriez nous donner les mêmes adjectifs au féminin? Sans aucun problème. Numéro 1. Grande. Numéro 2. Petite. Numéro 3. Jeune.
Numéro 4. Vieille. Numéro 5. Bonne. Numéro 6. Belle. Numéro 7. Laide, moche. Numéro 8. Première. Numéro 9. Dernière. Numéro 10. Nouvelle. Numéro 11. Ancienne. Merci beaucoup, monsieur le serpent. Je vous en prie. Au revoir. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 27. Les additions. La table de 3. Bonjour Alex. Bonjour. Je te dérange? Non. Tu fais tes devoirs? Oui, mais je peux vous aider? Tu as une minute pour voir les additions? Oui, bien sûr. 3 plus 1 égale 4. Quatre. 3 plus 2 égale 5. Cinq. 3 plus 3 égale 6. Six. 3 plus 4 égale 7. Sept. 3 plus 5 égale 8. Huit. 3 plus 6 égale 9. Neuf. 3 plus 7 égale 10. Dix. 3 plus 8 égale 11. Onze. 3 plus 9 égale 12. Douze. Bravo Alex. On continue? D'accord. 3 plus 10 égale 13. Treize. 3 plus 11 égale 14. Quatorze. 3 plus 12 égale 15. Quinze. 3 plus 13 égale 16. Seize. 3 plus 14 égale 17. Dix. Trait d'union. Sept. 3 plus 15 égale 18. Dix. Trait d'union.
HUIT. 3 plus 16 égale 19. DIX, trait d'union, NEUF. 3 plus 17 égale 20. VINGT. 3 plus 18 égale 21. VINGT, trait d'union, ET, trait d'union, UN. 3 plus 19 égale 22. VINGT, trait d'union, DEUX. 3 plus 20 égale 23. VINGT, trait d'union, TROIS. Merci beaucoup, Alex, et à bientôt. Pas de problème. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 28. Les syllabes avec la lettre D. Bonjour Mathieu. Je te dérange? Non, je lis un livre très intéressant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non, je voudrais juste que tu lises des syllabes pour nos amis. Oh, bon, eh bien, pas de problème. Tu peux commencer quand tu es prêt. D'accord? D'accord. Tu es prêt? Une seconde, je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt? Oui, on y va. N'oublie pas que ce sont les syllabes avec la lettre D, d'accord? On y va. Da, de, di, do, du, di. C'est bon? Mais non, nous allons voir maintenant avec la voyelle I. D'accord. Des, doigts, d'huit. Et maintenant? C'est bon? Mathieu, tu n'es pas courageux aujourd'hui. Voyons maintenant avec la voyelle U. D'accord. Do,
Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Nous te laissons avec ton livre. Merci. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 29 à la découverte de 20 nouveaux verbes. Bonjour Nicolas. Bonjour monsieur. Est-ce que nous continuons avec la liste de verbes? Oui. Nous pouvons voir 20 nouveaux verbes. Parfait. Bon, on commence? Numéro 41. Revenir. Numéro 42. Appeler. Numéro 43. Mourir. Numéro 44. Partir. Numéro 45. Jeter. Numéro 46. Suivre. Numéro 47. Écrire. Numéro 48. Montrer. Numéro 49. Tomber. Numéro 50. Ouvrir. Ce sont des verbes très utiles. La liste continue. On y va? Oui, bien entendu. Numéro 51. Arrêtez. Numéro 52. Perdre. Numéro 53. Commencer. Numéro 54. Paraître. Numéro 55. Marcher. Numéro 56. Lever. Numéro 57. Permettre. Numéro 58. Asseoir. Numéro 59. Écouter. Numéro 60. Monter. Quelle liste formidable! Est-ce que tu pourras continuer plus tard? Oui, mais pas tout de suite. Je dois rentrer à la maison. Merci Nicolas, et à bientôt. À bientôt.
Bonjour et bienvenue dans Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 30. À la découverte du verbe parler. Bonjour Cécilia, tu aimes toujours la conjugaison? Oh oui. Tu veux conjuguer le verbe parler au présent? Oui, pas de problème. Est-ce que c'est un verbe difficile? Mais non, c'est un verbe régulier. Un verbe régulier? Oui, si le verbe finit avec er, c'est un verbe régulier. Sauf le verbe aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les terminaisons seront toujours les mêmes. Je parle. Tu parles. ES. Il parle, elle parle. Nous parlons. ONS. Vous parlez. EZ. Il, elle, il parle, elle parle. ENT. Félicitations, Cécilia. Tu es vraiment très doué. Merci, monsieur. Donc, les terminaisons sont E, ES, E, ONS. EZ, ENT. Au revoir. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 31 de 40 à 50. Bonjour, et maintenant nous allons compter avec Émilie. Tu n'es pas Émilie? Non. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Jeannot. Et tu sais compter, Jeannot? Oui, pas de problème. Nous allons compter de 40 à 50, d'accord?
D'accord. Allez, on commence avec 40. Q, U, A, R, A, N, T, E. 41. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, E, T, trait d'union, U, N. 42. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, D, E, U, X. Bravo, Jeannot, tu es très doué. Merci. 43. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, T, R, O, I, S. 44. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, Q, U, A, T, R, E. C'est très bien. 45. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, C, I, N, Q. 46. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, S, I, X. On continue? Avec plaisir, j'adore ça. 47. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, S, E, P, T. 48. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, H, U, I, T. 49. Q, U, A, R, A, N, T, E, trait d'union, N, E, U, F. 50. C, I, N, Q, U, A, N, T, E. Merci beaucoup, Jeannot. Avec ton aide, nous savons maintenant comment épeler les nombres de 40 à 50. C'était vraiment sympa. À bientôt. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 32. Les syllabes avec la lettre D. Bonjour Adèle. Bonjour monsieur. Je te dérange? Non. Est-ce que tu as une minute pour nos amis? Oui, je voudrais ranger mes livres, mais je peux le faire plus tard. Tu es sûr? Mais oui, ça peut attendre. Est-ce que tu pourrais présenter les syllabes avec la lettre D? D'accord. On commence? Allez, on y va? Da, D, A, da,
de, d, e, de. Di, d, i, di. Do, d, o, do. Du, d, u, du. Di, d, y, di. Et vous voulez avec la voyelle i? Oui, si tu as le temps. Pas de problème. Des, d, a, i, des. Des, d, e, i, des. Doigt, d, o, i, doigt. Dui, d, u, i, dui. Et maintenant, c'est bon? Encore juste avec la voyelle U et ce sera parfait. D'accord. Do, D, A, U, do. Deux, D, E, U, deux. Doux, D, O, U, doux. Merci beaucoup, Adèle. Ton aide a été précieuse. Je vous en prie. Nous te laissons ranger tes livres maintenant. Merci. Au revoir. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 33. J'adore les fruits. Bonjour Nicolas, comment ça va? Très bien, merci. Tu veux nous apprendre de nouveaux mots? Oui, si nos amis veulent bien. Je suis sûr que ça va les intéresser. Et quel est le thème? Les fruits. J'adore les fruits. Bon, eh bien, on peut commencer quand tu veux. D'accord. Un ananas. Un ananas. Un ananas. Une banane. Une banane. Une banane. Un citron. Un citron. Un citron. Une fraise. Une fraise. Une fraise. Une framboise. Une framboise, une framboise. Un kiwi, un kiwi,
Un kiwi. Une mandarine. Une mandarine. Une mandarine. Une mangue. Une mangue. Une mangue. Un melon. Un melon. Un melon. Une mûre. Une mûre. Une mûre. Une nectarine. Une nectarine. Une nectarine. Une noix de coco. Une noix de coco. Une noix de coco. Une orange. Une orange. Une orange. Un pamplemousse. Un pamplemousse. Un pamplemousse. Une pastèque. Une pastèque. Une pastèque. Une pêche. Une pêche. Une pêche. Une poire. Une poire. Une poire. Une pomme. Une pomme. Une pomme. Du raisin. Du raisin. Du raisin. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 34. Je suis malade. Bonjour. Vous êtes malade? Vous n'avez pas l'air d'être en forme. C'est vrai. Je crois que j'ai de la fièvre. Oh, mais c'est terrible ça. Et vous avez mal à la gorge? Oui, Depuis ce matin. mais pourtant, il ne fait pas froid en ce moment. Je sais bien, mais j'ai aussi le nez qui coule. Bah, vous n'avez vraiment pas de chance. Je sais. Et vous êtes allé chez le médecin? Non. J'ai téléphoné ce matin pour prendre rendez-vous. Et? Et on m'a dit qu'il fallait attendre jusqu'à demain. Mais pourquoi? Parce qu'il y a trop de personnes malades en ce moment. Vous pouvez peut-être aller à l'hôpital si vous allez aussi mal que ça. Non, je vais aller à la pharmacie et acheter de l'aspirine. Et vous pensez que ça sera suffisant?
On peut toujours espérer, non? Bon, je dois vous quitter, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours me téléphoner si vous avez besoin d'aide. C'est bien gentil de votre part. D'ailleurs, oui, j'aurais bien une petite faveur à vous demander. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous pourriez m'accompagner chez le médecin demain? Mais bien sûr, c'est plus raisonnable de ne pas conduire quand on est malade. C'est vrai. Et vous devez y être à quelle heure? À 7 h du matin. Ça va poser un problème? Non, non, non. Non, je voulais justement me lever tôt demain matin pour laver la voiture. Merci encore. C'est très gentil de votre part. Bon, je vous laisse. Je vais aller me coucher car demain matin, je me lève tôt. Bon, eh bien, passez une bonne nuit et à demain matin. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 35. Les qualités d'une personne. Bonjour Nathan, comment ça va? Très bien, merci. Je me demandais si tu voudrais bien nous aider. Vous aider à faire quoi? Eh bien, je pensais que nous pourrions faire une liste avec les qualités que l'on peut trouver chez une personne. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée. Est-ce que tu connais quelques qualités? Mais oui, je suis un grand spécialiste des qualités humaines. Et si on faisait une liste de 10 qualités? 10? Ça me semble peu, non? On pourrait en trouver 20 sans problème. Bon, on commence quand tu veux, d'accord? Parfait. Je peux même les donner dans l'ordre alphabétique. La première qualité, à l'écoute. La deuxième, abordable. La troisième, accessible. La quatrième, accueillant. La cinquième, actif. La sixième, admirable. La septième, adorable. La huitième, adroit. La neuvième, affable. La dixième, affectueux. Eh bien, je suis vraiment impressionné. Et ta liste est encore longue? Oh oui, j'en ai encore plein.
La onzième, affirmatif. La douzième, agréable. La treizième, aidant. La quatorzième, aimable. La quinzième, aimant. La seizième, ambitieux. La dix-septième, amical. La dix-huitième, amusant. La dix-neuvième, appliqué. La vingtième, artistique. Alors là, je dis bravo. Merci. Mais vous savez... Oui, quoi? Ma liste est encore longue. Bon, eh bien, c'est parfait. On se donne rendez-vous plus tard et on continuera avec ta liste. D'accord? D'accord. Merci encore et à la prochaine. Ok, salut. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 35, à la découverte du verbe finir. Bonjour Lucas, tu vas bien? Oui. Je peux vous aider? Je ne veux pas te déranger. Tu as une minute pour nous? Mais oui, je peux faire une pause. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que tu pourrais conjuguer le verbe finir au présent? Finir? Mais oui, pas de problème, c'est facile. Et pourquoi c'est facile? C'est un verbe régulier. Du deuxième groupe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les terminaisons sont toujours les mêmes. Bon, eh bien, on commence? Allez, on y va. Je finis. F-I-N-I. S. Tu finis. F-I-N-I-S. Il finit. F-I-N-I-T. Elle finit. F-I-N-I-T. Nous finissons. F-I-N-I-S-S-O-N-S. Vous finissez. F-I-N-I-S-S-E-Z. Ils finissent. F-I-N-I-S-S-E-N-T. Elles finissent. F-I-N-I-S-S-E-N-T.
Merci beaucoup, Lucas. Vous voulez connaître les terminaisons? Les terminaisons pour tous les verbes du deuxième groupe? Ben oui. Ah oui, ce serait vraiment formidable pour nos amis. Je. IS. Tu. IS. Il. Elle. IT. Nous. ISSONS. Vous. ISSEZ. Il, elle, I, S, S, E, N, T. C'est vraiment génial, Lucas. Merci beaucoup. De rien. On te laisse maintenant. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 37, de 50 à 60. Bonjour, et maintenant nous allons compter avec notre ami Jeannot. Bonjour Jeannot. Bonjour. Est-ce que tu veux compter et épeler les nombres pour nos amis? Oui, j'adore ça. On peut commencer tout de suite? Oui, pas de problème. Nous allons compter de 50 à 60. D'accord? D'accord. Allez, on commence avec 50. C-I-N-Q-U-A-N-T-E. 51. C-I-N-Q-U-A-N-T-E, trait d'union, E-T, trait d'union, U-N. 52. C-I-N-Q-U-A-N-T-E, trait d'union, D-E-U-X. Bravo, Jeannot, tu es très doué. Merci. 53. C-I-N-Q-U-A-N-T-E, trait d'union, T-R-O-I-S. 54. C-I-N-Q-U-A-N-T-E, trait d'union, Q-U-A-T-R-E. C'est très bien. 55. C-I-N Q-U-A-N-T-E, trait d'union, C-I-N-Q. 56. C-I-N-Q-U-A-N-T-E, trait d'union, S-I-X. On continue? Avec plaisir, j'adore ça. 57. C-I-N Q-U-A-N-T-E, trait d'union, S-E-P-T. 58. C-I-N-Q-U-A-N-T-E, trait d'union, H-U-I-T. 59. C-I-N-Q-U-A-N-T-E, trait d'union, N-E-U-F. 60. S-O-I-X-A-N-T-E,
Jeannette. Merci beaucoup, Jeannot. Avec ton aide, nous savons maintenant comment épeler les nombres de 50 à 60. C'était vraiment sympa. À bientôt. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 38. Les syllabes avec la lettre F. Bonjour Emma. Bonjour monsieur. Je te dérange? Non. Vous avez besoin de quelque chose? J'aimerais bien que tu lises les syllabes avec la lettre F pour nos amis. Bon, d'accord, pas de problème. On peut commencer? D'accord. Fa, F-A, fa. Fe, F-E, fe. Fi, F-I, fi. Faux, F-O, faux. Fu, F-U, fu. Fi, F-Y, fi. Et vous voulez avec la voyelle I? Oui, si tu as le temps. Pas de problème. Fait, F-A-I, fait. Fait, F-E-I, fait. Foi, F-O-I, foi. Fuit, F-U-I, fuit. Et maintenant, avec la voyelle U, peut-être. Oui. Merci. Je vous en prie. Faux. F-A-U. Faux. Feu. F-E-U. Feu. Fou. F-O-U. Fou. Merci beaucoup, Emma. Ton aide nous a été précieuse. Tout le plaisir était pour moi. Nous te laissons avec ta belle plante. Au revoir. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 39. J'adore les animaux. Bonjour Chouchou, comment vas-tu? Très bien, merci. Tu veux nous apprendre de nouveaux mots? Oui, si nos amis veulent bien. Je suis sûr que ça va les intéresser. Et quel est le thème? Les animaux. Et je m'y connais. Bon, eh bien, on peut commencer quand tu veux. D'accord. Un agneau. Un âne.
Une autruche. Un bison. Un canard. Un chat. Un chaton. Un cheval. Un chien. Un coq. Un crabe. Un crocodile. Un écureuil. Un éléphant. Une girafe. Une grenouille. Un hérisson. Un kangourou. Un lapin. Un lion. Un ours. Un poisson. Une poule. Un serpent. Un tigre. Une tortue. Une vache. Un zèbre. Merci beaucoup, chouchou, pour ton aide. C'était formidable. Je suis content de vous avoir rendu service. Au revoir et à bientôt peut-être. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 40. Les verbes en IR au présent. Bonjour Lucas, tu vas bien? Oui. Je peux vous aider? Je ne veux pas te déranger. Tu as une minute pour nous? Oui. Je peux faire une pause. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que tu pourrais nous rappeler comment conjuguer les verbes réguliers en IR au présent? Ben oui, pas de problème, c'est facile. Mais pourquoi c'est facile? Parce que j'adore la conjugaison. On commence? Ok. Je vais dire les personnes et tu diras les terminaisons. Pas de problème. Je. IS. Tu. IS. Il. Elle. IT. Nous. ISSONS. Vous. ISSEZ. Il. Elle. ISSENT.
C'est aussi simple que ça? Eh oui, c'est simple, non? Et tu pourrais les redire juste une fois? D'accord. Je. IS. Tu. IS. Il. Elle. IT. Nous. ISSONS. Vous. ISSEZ. Il. Elle. ISSENT. C'est vraiment génial, Lucas. Merci beaucoup. De rien. On te laisse maintenant. Au revoir. Au revoir et à bientôt.